Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée. Ici, nous allons chercher à nous libérer de nos peurs. Nous allons essayer de les libérer pour enfin avancer sur notre chemin sans crainte. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant ces prochaines minutes. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, un coussin ou un tapis, ou encore vous allonger sur un lit, un canapé. Veillez à garder votre dos bien droit et commencez à relâcher toutes les tensions dans votre corps. Commencez par fermer les yeux et prenez quelques respirations profondes. Inspirez par le nez et expirez avec une bouche relâchée, une mâchoire entrouverte. À chaque inspiration, sentez l'air frais entrer dans vos narines, puis dans vos poumons. Sentez cet oxygène remplir votre corps d'énergie. À chaque expiration, sentez l'air chaud sortir de votre corps. Visualisez avec cet air chaud tout ce dont vous n'avez plus besoin. Le stress, les soucis, les peurs, vos blocages. Et continuez doucement à respirer ainsi, en vous concentrant sur les sensations que votre respiration vous procure, permettant ainsi à votre esprit de se calmer, à votre corps de se détendre. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur, centre de votre véritable être, où réside votre courage, votre amour, votre sagesse. Imaginez alors qu'une lumière chaude et douce brille dans votre cœur, et qu'elle se diffuse peu à peu dans tout votre corps, comme un soleil intérieur. Sentez la chaleur et la douceur de cette lumière qui peu à peu vous enveloppe et vous protège. Cette lumière représente votre force, votre confiance, votre sentiment de sécurité. L'intensité de cette lumière vous rappelle que vous êtes capable, que vous êtes aimé, que vous êtes guidé. Il est temps à présent de chasser une peur en ce moment qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, qui vous limite. Connectez-vous à cette peur. Il peut s'agir d'une peur liée à votre état de santé, à votre vie professionnelle,
une relation en particulier. Peut-être est-ce une peur de l'avenir. Pensez à une peur qui est liée en ce moment à ce que vous vivez. Quelle que soit cette peur, je vous invite à l'accueillir, sans jugement, sans résistance, sans honte. Reconnaissez qu'elle fait partie de vous. Mais prenez conscience qu'elle n'est pas vous. C'est tout simplement une émotion, une pensée, une croyance. Cette peur connaît une origine, une cause, une raison d'être. Visualisez cette peur. Vous pouvez la personnifier, lui donner une forme, une texture, une couleur. Et demandez-vous alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Quelle est son origine? Quand est-elle apparue pour la première fois? Laissez venir ce qui vient à la suite des questions. Accueillez les réponses. Quelle situation, événement ou personne a déclenché cette peur? Quel message, quel enseignement, quelle leçon veut-elle vous apporter? Laissez venir les images, les sons, mais également les émotions que ces questions font naître en vous. Laissez venir à vous les réponses, sans forcer, sans chercher à non plus analyser. Faites confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à votre être, à votre lumière. Quel besoin, quel désir, quelle aspiration cette peur exprime-t-elle? Quel est son message? Essayez d'identifier l'origine, le besoin qui se cache derrière. Une fois que vous avez identifié l'origine, le message et le besoin de votre peur, placez vos mains sur votre cœur et remerciez cette peur pour ce qu'elle vous a appris, pour ce qu'elle vous a révélé, pour ce qu'elle vous a permis de découvrir. Parlez-lui. Dites-lui que vous comprenez sa présence, que vous respectez son rôle, que vous appréciez son intention. Dites-lui aussi qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'elle, que vous êtes prête à la laisser partir, que vous êtes libre désormais de la dépasser,
Dites-lui que vous avez choisi de lâcher prise, de vous ouvrir et de vous épanouir à partir de cet instant. Ensuite, imaginez que la lumière que vous avez en vous, dans votre cœur, transforme cette peur en lumière. Imaginez et inspirez de la lumière. Et lorsque vous soufflez, vous insufflez cette lumière à votre peur, que vous libérez peu à peu dans cet univers. La lumière dissout peu à peu par amour cette peur, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Respirez. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Respirez votre liberté. Sentez-vous plus légère, davantage sereine. Une fois qu'il n'y a plus rien devant vous, que l'intégralité de cette peur a été dissoute, remarquez désormais qu'il se cachait derrière cette peur un chemin qui désormais s'ouvre à vous. Voyez des portes. Voyez ce qui représente pour vous les opportunités. Voyez de part et d'autre de ce chemin des personnes qui vous sourient, vous soutiennent. Regardez les expériences qui vont venir vous enrichir. Désormais, vous avancez sur votre chemin sans crainte, avec confiance, avec joie. Ressentez cette gratitude, cet enthousiasme, cette paix qui vous habite à présent. Croyez en vous et affirmez-vous que vous êtes enfin sur le bon chemin, qu'il ne peut en être autrement si vous suivez votre cœur, que vous réalisez votre potentiel. Prenez quelques instants pour savourer ce sentiment, pour ancrer en vous cette vision, pour intégrer cette information. Lorsque vous vous sentirez prête, revenez à votre respiration, à votre corps, à l'ici et maintenant.
pourrez ensuite ouvrir les yeux, vous étirer, sourire. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez terminé cette méditation guidée pour vous libérer de vos peurs et enfin avancer sur votre chemin sans crainte. Je vous dis bravo et vous remercie de votre participation. Je vous dis à très vite pour une prochaine méditation.